ce défi consiste à traverser le lac Titicaca, donc le lac navigable le plus haut du monde, en totale autonomie et à la nage. C'est-à-dire qu'on va tous les trois devoir se relayer chaque jour pendant environ 10 jours en tractant un radeau de environ 500 kg avec nos provisions pour manger, nos vêtements aussi pour se réchauffer. Et on va vivre une aventure exceptionnelle parce que c'est une aventure qui n'a jamais été faite jusqu'à aujourd'hui. Et on est très très fiers de ça, d'autant plus qu'on a été super bien accueillis par les Boliviens et je pense que ça va être pareil du côté Pérou. Donc c'est beaucoup de fierté et on a hâte de partir. Ce bateau, c'est un bateau extrêmement spécial parce qu'on l'a construit et on l'a conçu pour ce défi qui est absolument fou. Et on l'a conçu aussi avec des matériaux de seconde main. C'était extrêmement important pour nous d'avoir en fait une autre histoire et aussi une empreinte écologique minimisée. Donc les flotteurs du bateau sont issus d'un bateau qui a fait les Jeux Olympiques en 1996. Les bâches sont des bâches récupérées de théâtre en France. Et tout a été des matériaux de récup et donc on veut incarner à travers ce radeau et sa conception l'économie circulaire.